Bonjour, je vous propose une tarte aux oignons. Donc pour faire la tarte aux oignons, il vous faut 4 oignons, 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile, 1 tasse de gruyère, 2 pincées de sel, 1 pincée de poivre et de la ciboulette, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Il vous faut aussi un rouleau de pâte brisée. On va commencer par émincer les oignons et les faire revenir à la poêle couverts pendant 15 minutes. Et là, j'ai émincé mes oignons. Je vais les mettre dans une poêle où j'ai mis la cuillère d'huile à chauffer et je vais les mettre pendant 15 minutes à couvert. On remet là mes oignons. Allez, à dans 15 minutes. Quand vos oignons ont cuit 15 minutes, à couvert, on va rajouter la cuillère à soupe de sucre pour caraméliser nos oignons. On va laisser cuire encore 5 minutes à peu près. Vous surveillez bien et vous tournez progressivement comme ça. Alors si vous aimez aussi, vous pouvez mettre un petit peu de vin blanc pour faire cuire les oignons. C'est aussi très très sympa au niveau du goût. Donc là, je vais tourner comme ça pendant 5 minutes. Le temps que mes oignons caramélisent. Après 5 bonnes minutes de cuisson avec le sucre, mes oignons ont légèrement caramélisé. Je les ai enlevés du feu. Je les mets de côté pour l'instant. Préparation de mon appareil pour la tarte aux oignons. Donc il me faut les 2 œufs, la crème, il me faut la ciboulette, il me faut le gruyère et il me faudra aussi le sel, le poivre. Donc on va commencer, on va casser les œufs. Hop, sans mettre de coquilles dedans. On fait bien attention. Hop là. Là, on va les battre. Donc on perce et on les bat. On va rajouter le sel, le poivre. Voilà. Donc on rebat encore. On va y mettre la ciboulette. Donc la crème fraîche. Donc là, il y a 2 grosses cuillères de crème fraîche épaisse. Hop là, on rebat encore. Donc on y bat avec le gruyère. Et là, dans la préparation, nous allons mettre les oignons. Comme ça, ils seront bien mélangés aux œufs et ça sera tout aussi bien. Donc vous pouvez aussi les mettre directement dans votre plat à tarte. Donc là, j'ai mis ma pâte directement dans mon plat. Je l'ai formé. Je vais mettre la préparation dedans. N'oubliez pas de faire préchauffer votre four à 185 degrés. J'ai mis ma préparation dans ma pâte. Vous allez passer au four pendant 25 minutes au four à 185 degrés. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà ma tarte aux oignons prête à être dégustée 25 minutes plus tard. Allez, bon appétit !